poésie. Que celle qui n'a pas vibré dans son adolescence aux aventures de Fantomètre lève le doigt. Originalité de ces 26 fois 26 minutes, des histoires non puisées dans l'impressionnante série écrite dans les années 60 par Georges Cholet. On a fait appel à des scénaristes qui ont inventé des épisodes dans l'esprit de la célèbre héroïne. Boulotte était patente, ficelle, super, où est-elle passée? Je ne sais pas où elle est passée, mais... En train de tourner. Vraiment, elles sont vraiment, vraiment très bien, tout à fait comme je les imaginais. Et puis le petit village de Framboisy est reconstitué, ou authentique, il est plus authentique que la réalité d'ailleurs. Fantomètre, entouré ici de ses inséparables compagnons, Boulotte, Ficelle, Molécule, entre autres, c'est une petite fille sage et timide le jour, mais véritable justicière au visage masqué la nuit. Masque d'argent, le méchant n'a qu'à bien se tenir. Au lieu de te kidnapper, mon enfant. Avant d'être le Fantomètre, est-ce que tu avais lu ce genre de livre? Oui, j'en avais déjà 3-4 à la maison, je les avais lus. Et alors? Mais une fois que j'ai su que j'allais être prise, j'en ai lu plus. Et alors quoi? Ben, j'en ai lu plus après, une fois que j'ai su que j'avais été prise. Ouais. Je me suis mis dans le bain, quoi. C'est agréable de faire ce genre de rôle? C'est sympathique? Bah, disons que ce qui est rigolo, c'est... L'imagination, parce que c'est comme Batman, mais en plus jeune. Mmh. Donc ce qui est rigolo, c'est quand on me passe les monos, tout ça, enfin... La jeune Katia qui se cache la nuit sous le masque de Fantomètre n'a que 12 ans. Dans certaines scènes à risque, elle est doublée par Aline, une communoise de 17 ans, spécialiste de gym, qui a la même corpulence. Je suis tombée par hasard. En fait, c'est la réalisatrice qui me dit ce que je dois faire, mais c'est vrai qu'on doit à peu près avoir les mêmes manières, donc puis on s'entend bien, donc on apprend à nous connaître, à se connaître quand même. Ah, tu vas faire une cascade aujourd'hui là? Je pense pas, non. Aujourd'hui j'utilise la Fantomobile. Ah oui, qu'est-ce que c'est ça? C'est une sorte de... Trottinette à moteur. Ouais, trottinette à moteur. Ah d'accord. C'est pour que Fantomètre se déplace plus rapidement. Ouais, c'est ça. Les aventures fantastico-policières de Fantomètre ont été quelque peu réactualisées, avec un zeste d'électronique et de robotique. On peut pas faire attention. Si vous voulez, si la Fantomètre d'il y a 30 ans regardait les étoiles, la nôtre actionne son visiophone et c'est à ce niveau-là. Sinon, l'esprit, les personnages, aussi la façon dont le monde est... On est à la fois dans le réel et aussi dans la magie et dans l'irréel. Sortie de ces Fantomètres sur petit écran sur la 3 fin 93. Public visé les 10-12 ans, si on en croit le père de Fantomètre, 15 millions de volumes vendus, le personnage n'est pas démodé. Je crois que les personnages masqués ont toujours été très impressionnants. On connaît Zorro, on connaît Superman, et Fantomètre est un personnage masqué donc qui impressionne aussi bien les grands que les petits, je crois.